des robots autonomes, une ceinture antidouleur et bien d'autres logiciels basés sur l'intelligence artificielle. Voici quelques-unes des innovations françaises dont les créateurs rêvent de succès à Las Vegas. Cette petite entreprise du Puy-de-Dôme a développé une application pour remplir automatiquement un constat d'accident. Le croquis, la case à cocher et ça se finit par une signature électronique. Avec ce voyage, les 10 salariés rêvent de passer un cap. On espère avoir beaucoup de visibilité, avoir des interviews sur place pour avoir une image au niveau national et se faire connaître auprès des médias aussi français. Dans ce garage à Vénissieux, cet outil sur roulette est un radar. Il analyse le sous-sol pour ne pas creuser à l'aveugle. Encore un prototype, alors à Las Vegas, ses créateurs partent en quête de financement. C'est quand même que c'est une pépinière d'investisseurs qui sont à la recherche de petites start-up comme la nôtre, un peu niche. Las Vegas, le tremplin des entreprises de la tech. En 2019, cette start-up lyonnaise y a gagné un prix pour son capteur de polluants et allergènes. Depuis, son chiffre d'affaires s'est envolé. Des investisseurs nous ont suivis parce qu'ils nous ont vus à Las Vegas. On a des clients qui aujourd'hui ont travaillé ou collaborent avec Mirsens maintenant depuis 3-4 ans avec nous parce qu'ils nous ont vus à Las Vegas. Donc c'est sûr que Las Vegas a été un accélérateur sur tous les points de vue. En tout, plus de 150 startups françaises présenteront leurs innovations à Las Vegas la semaine prochaine.